Celle-là, elles vont tomber un peu plus tard. Entre la châtaigne et ce couple, c'est une histoire d'amour qui dure. Bernard et Mathilde, apiculteurs professionnels, placent leur ruche dans cette châtaigneraie aux arbres bicentenaires depuis plus de 20 ans. Le châtaignier, c'est un arbre, on ne met aucun traitement dessus. Donc là, c'est vraiment un miel qui est indemne de tout pesticide. Et puis le châtaignier, quand il fleurit, il produit énormément de pollen. Et ça, pour le développement des colonies, c'est très important. Elle ramasse énormément de pollen sur les châtaigniers. Et puis le service rendu par les abeilles, c'est une bonne pollinisation, donc une bonne production de châtaignes. Baisse. Le couple a acheté la châtaigneraie de ses abeilles il y a 5 ans pour se diversifier. Depuis, les 15 premiers jours d'octobre, c'est ramassage au filet. Jusqu'à 700 kilos de châtaignes, les bonnes années. Là, on a une trentaine de vieux châtaigniers qui ont entre 250 et 300 ans, qui ont été exploités pendant des décennies et des décennies pour commercialiser, quand il y avait des bonnes années, en châtaignes à griller sur Orléans et en région parisienne. Mais il n'y a jamais eu la transformation de la châtaigne telle que la valorisation de la châtaigne telle qu'on la trouve en Ardèche ou dans le Gard ou en Corse. Pour valoriser leur châtaigne de Sologne, le couple a investi dans plusieurs machines. Les bogueuses est apportées directement dans la châtaigneraie. Une fois toutes les châtaignes éboguées, elles sont triées par taille. C'est alors la calibreuse qui prend le relais. Les grosses châtaignes sont transformées en crème de marron, en soupe ou en terrine. Les petites, jusque-là non valorisées, servent à fabriquer de la farine. C'est un produit d'avenir dans le sens où elle permet de... Ce qui est intéressant avec la châtaigne, c'est que ça permet de rediversifier notre alimentation. C'est-à-dire que sans forcément chercher à éliminer tous les aliments habituels qu'on a toujours consommés, comme le blé, elle va venir enrichir nos assiettes et nos régimes alimentaires. Une farine sans gluten, au petit goût de noisette, c'est un produit que leurs clients habituels leur demandaient. Alors, ils se sont lancés cette année à la fabriquer eux-mêmes.